matin. On va visiter Tarouan. Voilà, on va passer la journée là. Allez, on va essayer de faire quelques images. Bon alors, ça grouille, hein. Il y a du monde, mais nous on adore ça. Des villes authentiques comme ça, Tarouan, vous avez dit qu'il fallait y passer. Alors, bah, on se promène. Alors, au Maroc, c'est ça, tu vois, on a rencontré un monsieur. Voilà, il est avec Paul et tout, et bah, il nous emmène dans des coins... Il sait par où passer, donc ça c'est trop bien. Alors ce monsieur s'appelle Abdeslam, et du coup comme c'est sa route, il a dit ben, je vais vous emmener dans la Médina. C'est trop gentil. Alors, vous voyez là, je vous montre ça, c'est la fameuse absinthe qu'on met dans le thé aussi. On a goûté dans une précédente vidéo. Bon, il y a de l'amande, bien sûr. Hein. Alors, c'est toujours comme ça le hasard, hein. Rencontrer ce monsieur qui nous emmène dans la Médina, c'est vraiment trop trop bien quoi. Voilà, on est dans le quartier des tissus où les femmes viennent choisir leur robe et pour les cérémonies de mariage, etc. C'est vraiment très beau. Les femmes sont en train de faire l'huile d'argan. Toujours très intéressant. Ils ont bien voulu que les filment. Ça, c'est trop gentil. Il nous fait découvrir des magasins incroyables. Où alors, il y a des tissus, des robes. Regardez ça un peu, le choix qu'il y a. Oui. C'est incroyable. Regardez. Oui. Incroyable. Passe par une petite porte et là ce sont tous des objets en cuir. Waouh, c'est beau hein. Alors ça effectivement là, si on n'avait pas rencontré ce monsieur, je pense qu'on serait même pas venu jusqu'ici. Alors là je suis dans un magasin, ce n'est que des robes pour le mariage, pour la fête. C'est super beau. Abdeslam m'explique que c'est du bois d'olivier qui sert à allumer le four et faire cuire le pain. On est dans une boulangerie. Bon ben on continue de déambuler dans la Médina et on se régale. Là on découvre un artisan qui fabrique des bijoux. Oui, je vais t'en montrer. Ben, madame, s'il vous plaît. Madame. Le cidre et l'argent. On plie tous les rondelles un sur l'autre. Après, on martèle ici. Pour stirper tout ensemble avec un révélat. Après, on lit comme ça. Voilà, tous on lit comme vous voyez là. Ça vient bien arrondi comme ça. Et ça vient défini comme ça.
Bon alors, je peux vous dire que depuis ce matin, on se régale. Hein. Découvrir une ville avec quelqu'un comme ça, c'est top quoi. Dans le quartier des Forgerons, vous imaginez un peu, il nous fait passer vraiment dans des endroits incroyables. Regardez, là on a un monsieur qui fait des feuilles de pastilla. C'est chaud, hein, je peux vous dire, il travaille à main nue. Hein. Incroyable. Hop. Et il va la soulever. Et voilà. C'est fait. Et la met là. Incroyable, hein. Joyeux bordel, mais c'est un plaisir, hein, je vous ai déjà dit d'être là. Wow. Là vraiment, on s'immisce dans la vie locale. Abdeslam nous explique qu'ici, on est dans un quartier où les gens de la campagne environnante viennent faire leurs courses. Oh, cette ville, c'est une vraie caverne d'Ali Baba. D'Ali Baba, pardon. Ah ouais, c'est ouais, incroyable. Voici le quartier où on achète de la farine en vrac et autres grains. Et il y a un meunier derrière qui moue tout ça. Alors nous, c'est ce qu'on aime. Là, on vous offre une visite de Taroudan autrement que des trucs touristiques. Et nous, vraiment, on adore. On découvre ici le quartier des menuisiers. Et je peux vous dire, ça sent le bois, ça sent bon. Et alors, ce qu'ils font, c'est vraiment magnifique. Ici, on vend les épices, ça se voit sur les images. Et alors vraiment, ça sent super bon et ça donne faim. Il commence à être tard. Regardez la présentation des épices dans cette boutique. C'est vraiment super bien fait. Les amis, là on arrive dans le quartier juif de Taroudan. Donc voilà, je suis avec Abdeslam. Et alors son rêve, c'est de faire découvrir sa ville à des gens comme nous, quoi. Alors j'ai son WhatsApp, il m'a donné son numéro. Si vous êtes intéressé, là, vous me contactez en privé et je vous donnerai son numéro de téléphone. Et franchement, faire une balade ici avec lui, ça vaut le coup. Abdeslam nous explique ici, c'est des vieilles maisons juives qui ont été abandonnées. Voilà.
Donc là, on est au quartier juif, hein. Et là, ici, c'est tous des objets qui ont été conservés et qui sont exposés. Magnifique. Bon, faut aimer l'art, hein. Apparemment, on a trouvé un objet magnifique. Ah oui. Et c'est quoi? C'est de l'os. C'est de l'os, je pense, de dromadaire et même de la vase, de ce qu'on jette, mais les artisans les récupèrent. Puis pour donner cette couleur marron, c'est pour tremper dans le henné pour donner cette couleur dorée. C'est beau, hein? Oh, tous ces objets là, c'est vraiment des objets d'art, c'est splendide. Si vous voulez choisir un tapis, je crois que c'est là qu'il faut venir, hein. Il y a vraiment ce qu'il faut. Bon, nous, on n'en achète pas parce qu'on n'a pas de place, mais franchement, c'est des œuvres d'art, hein. Et bon, les prix, ça se négocie comme partout au Maroc. Bon alors, je suis avec Abdeslam, comme vous le savez, et je voulais le remercier de nous avoir fait découvrir sa ville d'une autre façon, et franchement, on s'est régalé, ça se voit à mon sourire. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ces tapis sont des kilim. Bon, ils sont lavés plusieurs fois, là, il y en a un couleur safran, et on nous explique, bah, c'est tout des motifs berbères dessus. Voilà, c'est splendide. Regardez cette œuvre d'art. On est vraiment ébahi par tous ces objets. La lampe d'Aladin, on dirait, hein. Regardez les amis, ça ce sont ce qu'on appelle des roses des sables. Vous avez vu comme elles sont belles celles-là? Bon alors les amis, là... on va se mettre en quête d'aller se faire un petit graillou, comme on dit. Allez, on va bien trouver quelque chose pour manger. Bon, je ne vous cacherai pas qu'on est paumé, hein. Mais bon, ça, on sait faire. On retrouvera bien une station de taxi pour rentrer au camping. Mais là, on s'est vraiment, depuis ce matin, on s'est perdu dans la ville, quoi. Et ça, c'est génial. Alors, Paul, on fait une petite pause repas. Pause repas. Ouais. Voilà, un petit kefta rapidos, là. Mais des vraies frites, les amis. Avec quoi, on va demander à Paul ce qu'elle a pensé de cette matinée à Tarouzan. Alors Paul, t'en penses quoi? J'ai adoré. Promener dans la Médina. Ouais, c'était bien. C'est beau. Ouais. C'est parfait. Bon, bah tout est parfait. Bon, bah, on a bien mangé. Alors maintenant, on est parti pour deux bornes pour aller visiter un parc. Parce que nous, on aime bien les parcs. Le parc Brahim, voilà Paul. Très bien. Allez, c'est parti. C'est parti. On vous a fait quelques images du jardin Brahim, mais bon, le pauvre, il souffre de la sécheresse, qu'on a vu 2-3 grands cèdres morts. Mais bon, on est au Maroc, hein, et on sait que la sécheresse, bah, c'est pas une idée reçue, quoi. Allez, je vous présente un monument de Tafraout, la fameuse théière.
Bon, j'ai cru que c'était la lampe d'Aladin. Non, non, c'est une théière. Voilà. C'est vrai que c'est effectivement, ouais, c'est plus une théière que la lampe d'Aladin. Ben voilà, on a terminé notre journée à Taroudan. On s'est vraiment régalé. Je pense que demain, on va refaire encore une petite escapade. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à trouver un taxi pour rentrer. Et ça, ça va être un peu plus compliqué. Mais bon, on croise les doigts et comme on dit au Maroc, Inch'Allah. Ben, pas d'inquiétude, on a retrouvé notre taxi qu'on avait ce matin, c'est trop bien ça. Le monsieur m'avait donné son numéro de téléphone, on l'a appelé, ben, il est venu nous chercher. C'est bien, hein? Bien. On a été ravis de vous présenter ces images de Taroudan. Franchement, on s'est régalé, faire la connaissance d'Abdeslam, pardon, j'arrive du mal à le dire. C'était génial, d'ailleurs on est invité à manger chez lui demain. Et en parlant d'Abdeslam, je voulais dire que ce monsieur ne nous a absolument pas demandé d'argent. Hein, c'est l'accueil à la marocaine. Et puis bah, pour la petite histoire, ce matin on a pris un taxi. Et le taxi, quand on est arrivé dans la ville, il nous a dit « Je vous donne mon téléphone et ce soir vous m'appelez, je viens vous chercher. » Et bien bah, il a tenu parole. On s'est baladé toute la journée dans Taroudan. On l'a appelé et il est venu nous chercher. Donc comme quoi, je le redis, l'accueil à la marocaine, oui, ça existe. Allez, à bientôt pour de nouvelles découvertes. Donc là, Abdeslam nous emmène dans un endroit où il y a plusieurs riades, dont un qui a appartenu à l'ancien Chadiran. Voilà, on va vous montrer ça si on peut. Alors pour la petite histoire, on est revenu faire un tour à Taroudan. Et dans la rue, qui c'est qu'on rencontre? Abdeslam. Du coup, il nous a dit, faut à tout prix que je vous montre ça. Bon, c'est incroyable hein, de pouvoir rentrer dans ces lieux. C'est vraiment incroyable. Regardez un peu. Là, c'est, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui vient ici. Hein. Donc, je vous le rappelle, hein, il y a plusieurs riades. Donc, certains maintenant ont été achetés par des Européens. Mais il y a toujours le riad qui appartient à Alex Chadiran, qui est aujourd'hui décédé. Mais je crois qu'il y a toujours sa femme qui habite là, d'après ce que nous dit Abdeslam. Donc voilà les amis, on vous a montré ces riades. Et donc oui, Abdeslam me confirme que la femme, qui est très âgée hein, du Chadiran, vient toujours ici. Alors elle n'habite pas en permanence ici, mais elle habite toujours ici. Alors bon, bah, ça fait noir, hein, parce qu'il y a plein de passages noirs pour y arriver. Voilà.